La Belgique et Écosse en 200 photos couleurs. Voici un livre exhumé il y a plusieurs années dans le grenier de ma grand-mère. Il s'agissait d'un bouquin que j'avais reçu pour une Saint-Nicolas. Il avait suivi ma grand-mère dans son déménagement et demeurait à ma disposition aux côtés d'autres livres et de jouets pour occuper mes week-ends de fillette. À constater l'état, impeccable, même s'il a un peu jauni et s'est empoussiéré, je ne dois pas l'avoir parcouru beaucoup. Je devais être probablement trop jeune pour m'y intéresser. À l'époque, je devais encore être fan de Bonne Nuit les Petits et, ou, ou Bébé Antoine, c'est dire. La Belgique en deux cents photocouleurs, un ouvrage publié aux éditions du Lombard en 1964, fait un petit clin d'œil à Écosine. À cette autre page, mentionne l'existence d'un musée du folklore devant la maison communale. Nous sommes dans les années 1960 et mon grand-père, David Derum, féru de photographie, prend ce cliché sur le pont des douces arcades.